Yep, les gens, c'est Verxio, c'est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle astuce Kama. Donc j'espère que vous allez bien. Donc cette toute nouvelle astuce Kama, ça va être sur du craft revente. Donc j'ai fouillé à peu près tous les HDV, sauf HDV forgeron et sculpteur pour les items. Et du coup j'ai pris à peu près les ressources pour craft 6 items je crois. Donc je vais directement vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. Donc une Dorabis, donc niveau 200, donc voilà. Un Kralano, une cape d'Aermin, une amulette du professeur Xa, une cendre d'alpiniste et un chapeau de lisson. Donc il y a 6 items. Donc vraiment ça m'a coûté 8M1. On va largement rembourser, vous allez voir. Donc on va directement les craft ensemble. Donc je vais chercher un tailleur. Du coup, ben, on va appeler Gami dispo pour craft des capes d'Aermin. Donc vous allez voir, on va vraiment bénef, hein. Donc la technique est très simple, vous allez HDV, vous prenez, vous cherchez à peu près la recette de craft de tous les items entre le level 100, 200 et 170. Enfin, pas tous ceux que ça rembourse qui valent entre 3 et 4M. Et une fois que vous avez trouvé la recette, si vous bénéficiez, si le craft est à moins 50%, craftez-le. Franchement, vous allez vraiment bénéficier de beaucoup de kama. Du coup, je pense. Oui, donc je vais mettre sur pause la vidéo, je la remets dès qu'elle. Donc voilà, donc là, elle va me craft mes 2 items. Dédicace à toi, Gamier. Et donc on va directement les craft. Donc là, Dora. Voilà. Une Dora. Donc on va lui mettre 30 000 kama. Hop. Fusionner. Donc voilà. Donc là, Dora craft. J'aurais espéré un meilleur jet quand même. Mais bon, c'est pas grave. À Hermine maintenant. On va craft une cape d'Hermine, donc 30 000 kama, 1-3 aussi. Donc voilà, craft. RDV joue STP. Donc maintenant, on va craft le Kralano et l'amulette Xa. Donc franchement, c'est vraiment tous des items qui se vendent. La cape Hermine, par contre, je suis pas sûr si ça se vend. Mais ça m'étonnerait pas que ça zone pour les Osa, ça rajoute vraiment pas mal de résistance, beaucoup d'invoques et beaucoup d'ignis. Donc j'espère vraiment qu'on va faire pas mal de bénéf. Donc j'ai calculé le tout, on va le revendre à peu près 16M, ça m'a coûté 8M1. Donc il y a vraiment du bénéf. Vous pouvez aussi FM les items, mais moi je vous conseille pas, vous mettez au plus bas prix de l'HDV, que ça se vende en premier et très très rapidement. Du coup, alors le Kralano. Hop, donc ça, je l'aurais bien payé quand même 120 000 kama pour 4 items. Ça lui aurait pris 5 minutes, même pas. Maintenant, Xa, donc des jets vraiment pas terribles. C'est un peu dommage. Parce que je crois que ça peut monter jusqu'à 200 de vita. Attendez, hop. Voilà. Craft. Donc encore dédicace à toi, Gamy, et merci beaucoup. Donc maintenant, on va se retrouver dès que j'aurai trouvé un cordonnier. Donc excusez-moi, j'avais oublié de craft le chapeau lisson. Donc de retour avec Gamier. Hop, 1, 3, 30 000. Voilà, un chapeau lisson. Donc on a déjà craft 5 items, donc c'est pas mal du tout. Il manque plus que le sixième, ça va être les bottes, les sangs d'alpiniste. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon cordonnier. Donc dédicace à toi, Bordelic. Alors donc d'ailleurs son nom, j'ai pas où il a cherché, mais il est assez drôle. Donc sangs d'alpiniste, on va les craft. Donc voilà, une sangle d'alpiniste, 30 000 kama. Donc
Donc voilà, donc là on a craft nos 6 items. Normalement je regarde sur mon brouillon. Donc ouais c'est bon, on a tout craft. Donc oui j'ai préparé un brouillon parce que j'ai vraiment mis j'ai mis environ 1h30 à chercher tous les items, 2h environ tous les items, et à les craft. Là encore 20 minutes ça m'a pris en tout à prendre toutes les ressources et tout. Donc là perso niveau Kama ça gère. Donc là on a 500 000, j'ai 500 000 Kama. Sur mon crash j'ai encore 850 000. J'ai encore 850 000. Donc vous voyez là 6M en HDV. Donc l'insigne de QF compte pas. Donc environ 3M. Ouais 3M5. 3M5 en HDV. Et tout ça se vend très très vite hein. Du coup l'amulette du professeur Xa. Donc voilà, donc là on va commencer. On va sortir la calculette. Hop. Hop. On la met. On va la mettre ici. Donc je vais agrandir de cette façon que vous ayez l'écran grand. Voilà. Du coup, alors j'enlève ça. Donc voilà. Du coup, donc 2M7 on va mettre. Hein. On ne regarde pas les jets. Hein, je mets le jet le plus bas possible. Donc comme il y a un beau jet résistance critique, ini, etc. Qu'en ai-je, lui réponds. Donc 2MC déjà, donc voilà. On a dépensé 8M1, je vous rappelle. J'ai dépensé 8M1 pour craft tous ces items. Donc là on va mettre 3M9, 50 000, donc toujours 50 000 qui est moins cher. Baissez pas trop les prix pour pas tout baisser. Et voilà, donc maintenant plus 3 950 000, 1, 2, 3, plus. Voilà, maintenant on va à l'âge des détailleurs. Donc vous voyez, on est déjà à 6M6. On a bientôt remboursé dans un item en même pas. Donc franchement ça marche vraiment. Vous cherchez à peu près les items, combien ils valent. Donc là vous voyez en bas 4M5. Donc on va mettre à 4 on va descendre de 100 000 Kama. Donc là 4M4. Donc plus 1, 2, 1, 2, 3. Plus, donc voilà, on arrive à 11M 4 d'Aermin, 3M5. Donc on va mettre à 3M on va baisser aussi de 100 000 Kama. Donc hop, donc plus 3M4, 1, 2, 3, 14M. En fait, on va faire beaucoup plus que 16M, enfin beaucoup plus. 2M de plus. Donc là, le chapeau lisson qui, je rappelle, se vend très très bien. Vraiment beaucoup de bénéfices à faire là-dessus. Voilà, donc encore 1 945 000. Donc j'aimerais avoir de la chance quand même et que devant vous il y ait déjà un item qui se vend, parce que c'est vraiment des items très recherchés. Hein. Donc faites attention à ce que vous craftez, parce que il y a vraiment des items qui se vendent vraiment pas. Moi j'ai vraiment pris des items avec des bons caracs qui sont vraiment connus, etc. et qui se vendent bien. Donc voilà, donc maintenant les sangs d'alpinistes, donc 2M8 je vais mettre, hein, donc 200 000 Kama moins cher. Donc on va rajouter 2M8. 1, 2, 3. Hop. 1 million, 19 millions de Kama les gens. C'est vraiment énorme. Donc on va dire avec la taxe de mise en vente 18M8 à peu près. Donc 10M de bénéfice. On a fait x 200% à peu près. C'est x 230%. C'est vraiment énorme. Donc 19M. Je pensais pas qu'on se ferait autant franchement. Donc la technique est simple hein, je vous la montre de suite comment faire. Vous mettez en bas de la ligne. Bon, il vous faut quand même des Kama. Donc je vous conseille de faire des offres en or. De regarder mes anciennes astuces. Les insignes de Kekeuf. C'est une de mes astuces je trouve qui marche le mieux. Qui est celle qui vous fait le plus de Kama cash d'un coup. Donc vous... Et là vous regardez item par item. Donc pas envoyer bot du Strigide. Donc les Strigides ne marchent pas. J'ai déjà regardé, les Scapula coûtent 2M. Donc vous regardez le craft. Donc moi j'ai mon... j'ai mon cran en même temps qui regarde à l'HDV des ressources et mon Yop qui regarde après les HDV. Donc je fais comme ça à peu près et au bout d'un moment dès que je tombe sur un bon item. Donc tout à l'heure je suis tombé sur les abominables, il y avait 1M de bénéf. Mais 1M je trouve c'est pas assez pour dépenser 3M. Et je suis tombé sur les sangs d'alpinistes qui valent vraiment le coup. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez compris à peu près cette technique Kama. Donc vraiment elle est vraiment très bien. C'est une des meilleures astuces Kama je pense de ma chaîne et peut-être de Dofus. Bon après il y a beaucoup mieux comme il y a des meilleures astuces mais j'ai dit une des meilleures. Donc voilà. Donc s'il vous plaît les gens, laissez un like, abonnez-vous et allez, ciao ciao tout le monde.